À l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis quelque part dans le Salon du Livre de Paris, en train de vaquer à mes occupations, sans doute à une dédicace ou une interview, une rencontre ou un vlog ou quoi que ce soit d'autre. Mais je n'oublie pas ceux qui n'ont pas pu venir au Salon du Livre de Paris, je n'oublie pas ma chaîne que je ne délaisse pas ce week-end. Et je vous laisse donc avec une vidéo. Alors, je tenais à faire une petite intro avant parce que c'est une vidéo qui date, donc j'ai pas exactement la même tête, mais surtout la qualité n'est pas du tout la même. Et voilà, je tenais à faire une petite introduction. C'est une vidéo que j'ai tournée donc avec Tom de La Voix du Livre et Théo du Cinéma des Livres, donc mon frère jumeau et mon cousin. C'est un nouveau challenge qu'on a fait tous les trois, qui date d'il y a bientôt un an, que j'ai enfin monté. Il était, je ne sais pas, 1 ou 2 heures du mat, donc on était un peu explosés, un peu foufou, un peu fatigués aussi. Donc ne prenez pas peur et j'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et sans doute pour le vlog du Salon du Livre de Paris. À très bientôt, salut, bon week-end et bonne lecture. Bonjour! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le cahier de lecture de Théo et Tom. Aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel en la présence de Nathan, qui Voilà. aime les bonbons. Bonjour Nathan! Voilà, Dis bonjour. bonjour à la caméra. C'est tout nouveau pour moi, je me sens tout timide. Voilà, donc on va faire tout pour qu'il se sente le mieux possible. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour une vidéo, tous les trois comme les autres, ça va être un challenge. C'est ça. Qu'on a nommé Shabada Bugsda. Shabada Bugda. Ne me Shabada demandez Bugda, pas pourquoi j'ai toujours pas compris trompé. C'est basé sur le Shabada Bada. Je sais pas si vous... Donc le Shabada Bada, tu dis un mot qui va être un espèce de thème et du coup il va y avoir deux équipes, enfin soit plusieurs équipes, soit plusieurs personnes. Donc et à chaque fois elles doivent dire, par exemple on a une équipe là, l'équipe doit dire une chanson par rapport au thème, l'équipe doit dire une chanson par rapport au thème, etc. jusqu'à ce qu'il y ait l'une des deux qui perde. Nous, on a décidé d'adapter ça au livre. Donc par exemple Tom va donner un thème et nous on va se battre à coups de titres de livre. Voilà. C'est ça. Voilà, donc le Shabada Bada, normalement c'est un mot, c'est pas un mot thème, c'est un mot qui est dans Paroles. Les paroles. Voilà, donc là on On va est faire pas un un mot mot. thème, parce que sinon... Sinon on n'est pas arrivé. Surtout que c'est un mot qui est dans le livre, à mon avis, il y a beaucoup de mots thème numéro Je me suis 1. dit, il est sérieux là. Cancer. Nos étoiles contraires. Je veux vivre. If I stay. C'est le mot? Ah non, non, c'est si je reste. Ah oui, pardon. Mais elle a pas le cancer, si je reste. Ah non, elle tombe dans le coma. Ah. Le dernier qui est sorti là de chez Gallimard. Oh, je sais plus comment pas il s'appelle. Je sais pas. 14. Oh, je sais pas. 15. C'était donc sans prévenir Matthew Crowe. Ah, bah qui est sorti, voilà. Donc, thème plutôt récurrent en ce moment dans la littérature. Le suicide. Ça va commencer. Attends, mais on peut spoiler plein de bouquins comme ça. Ben non. Ah, si, il y a pas. Revanche. C'est pas un spoil, c'est dans le premier chapitre. Ou le deuxième, je sais plus. C'est même dans le résumé. Gros spoiler. Ça peut parler du suicide sans qu'il y ait du suicide. Oui, je sais, mais pour ça, il y a que ça qui me vient. Gros spoiler! Il faut que je trouve. 5. Là. Il faut que je trouve. Laisse-moi compter, c'est comment moi ça s'appelle les bouquins qu'elle adore, Justine? Assis là. Assis, mais... je suis pas sûr qu'il y a un suicide dedans. Oui, bah j'ai perdu, j'ai compris! Allez, on va te donner un thème là. Et j'ai gagné. La musique. Voilà, ça va, c'est bien. Une guitare pour deux. La symphonie des abysses. Waouh. Putain, mais on est nul en fait à ce jeu. C'est comment dur. Il s'appelle 5. Virtuose. Phoenix. C'était quoi ça? Virtuose. Moi je reste dans le Carina Rosenfeld, c'est quelque chose qui marche avec la musique pour le moment. 100 000 canards par un sort de mage. Un sort de mage. On va dire que ça passe. À toi, on ne va pas avoir l'argent. Dans Génial Bibliothèque. Je sais pas, j'ai pas lu. Tu l'as pas lu? 8. Oh attends. 10. 13. Phoenix tome 2? Non. 15. Non! Ouais, j'ai encore gagné un point! Compte. Compte. Le livre de perles. Joli. Merci. Cinder. Si vous pensez pas à celui que je pense. Je don't think. Je sais pas, l'odalisque et l'éléphant, c'est un conte? Ouais, je vais le compter. Merci. Belle de glace. Ah, animal! Victor Dixon. Cœur des louves. Phoenix, tu le comptes? Non. 11, 12, 13, 14. Oh, l'album.
Blanche, les sept ours là qu'a fait Stéphane Servant. Boucle d'ours. Nouveau point pour Nathan. J'ai encore 0. Là, c'est le dernier thème de Théo. La drogue. La drogue. La bras de fer. Oui. Ok, tu as l'Alaska. Ok. Le monde de Charlie. Non. Si. Oui, si, on d'accord. Lui fait ok. Moi, j'ai des bruits oui. Là. Oui, ouais, mais c'est Space pas, cake. Bon, c'est pas primordial, mais d'accord. Excuse-moi, la découverte de la drogue dans l'adolescence, c'est important. Bon. Est-ce qu'on a le droit de dire nos états contraires? C'est pas bien la drogue. Ça va être bien au moins. 14. Nip. Il y avait addiction là. Perdu. Ouais, il y avait tous les bouquins dans. Ah, j'en ai trop bon. Lecture. Victoria. Princesse. 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 La sélection. Qui à moi. Ok. La sélection. Ça se fait trop pas. J'en avais un, je crois. Mais le problème, c'est qu'on est limité. On n'a pas beaucoup de livres en tête, je crois. Mais oui, c'est ça, on est fatigué. On est trop nul. L'Odalisque et l'éléphant, par exemple. Encore. C'est fou. Vous mettez des princesses. C'est chaud, hein. Est-ce que Tara Duncan, on peut considérer que c'est une princesse? Je sais pas si Tara Duncan est une princesse, mais on va le compter dedans. Merci. Mais il y avait quoi d'autre? C'était encore nul ton thème. Non, mais je pense qu'on est juste. Pas une fois que j'ai gagné. On est juste nul. Bon, il y a un point. À toi de trouver un thème. J'en ai un, comme ça, ça va être long. Parce que comme ça, vous allez pouvoir montrer que vous avez un petit peu de culture. Allez, go. Monde parallèle. Multiversum. Ok. D'un monde à l'autre. Ok. Rekes. Oui. Cœur d'encre. Oui. Le livre de Perle. Ça aurait pu. Oui. Harry Potter. Ouais. Ouais, limite, mais d'accord. Ouais, mais il y en a d'autres des plus évidents encore. On vient d'en parler en plus. 16 lunes. Oui. C'est pas un monde parallèle, c'est dans la réalité. Vous êtes arrêté au tome 1, vous pouvez rien dire. Voilà. Ok, merci de spoil. Tarlan Khan. Oui. Nathan, si tu me dis pas celui que j'ai en tête depuis. Arrête de me mettre la pression, ça c'est horrible. Non, t'as pas le droit, pas celui-là. Arrête, parce que du coup j'ai essayé de m'orienter vers des trucs. Ouais. C'est horrible, t'as pas le droit de faire ça. Le chant du troll, c'est un monde parallèle. Ouais, mais c'est dans l'univers Botero, sinon on dit tous les Botero. Eh ben, pourquoi c'est interdit? Mais oui, mais est-ce que c'est le même monde que genre la. Bah, les Botero, c'est le même monde. Même le chant du troll. Bon, mais d'accord, j'accepte le chant du tout. Mais quand je dis l'autre. D'accord. Bah, Elana. Ah, mais Elana, c'est vraiment Ewilan, quoi. C'est facile aussi de dire. Il dit Ewilan dans ces cas-là. Mais il a dit Ewilan, il a dit d'un monde à l'autre. Mais Elana, c'est vraiment Ewilan. Bon, mais. Faut que je trouve autre chose. Oui. Mais du coup, c'est monde parallèle, genre si je dis Mathieu Hidal, ça marche pas. Non. 13. La passe miroir. Oui. Non. Non, c'est joué. Pas en fait dans la Alice au pays des merveilles. Oxapolak. Ah, quand même. J'ai failli attendre. Tout ça pour ça, oui, il y a six pommes. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Ah, mais c'est horrible. Ah, je déteste. 15. Quand même par le fait que tu n'aies pas cité Oxapolak et que tu as hésité pendant 3 quarts d'heure. Allez, dernier thème. Un livre écrit à la première personne. Waouh. Waouh! Waouh! Le monde de Charlie. Non, c'est moi qui t'attends. Mais trop tard. Revanche. Nos étoiles contraires. Confusion. Il y en a un évident là. Toby Lovelace? Mais non. Van Gogh. Mais non, Timothée Thomas, il écrit pas la première personne. J'en sais rien, j'ai pas fait d'études stylistiques sur Timothée de Fombel. Excuse-moi, j'ai une vie. Bon, tu devrais peut-être pour. Ah, comme aujourd'hui. Le cadrage a peut-être un peu changé, mais on n'avait plus de batterie. C'est à toi. Les autos d'affaires, parce que je suis sûr, et que de toute façon vous l'avez pas lu, donc vous pouvez pas me contrer. Okay. Dans le livre de Perle, je suis sûr qu'il y en a. Oui. Voilà. Twilight. Oui, du coup, j'ai dit revanche, cruelle, confusion, donc il manque Kissing the Dark.
Et le dernier qui sort demain, Perdu et retrouvé. Enfin non, il est sorti. Il est déjà sorti. C'est pas grave, Perdu et retrouvé. On n'en est pas sûr, mais je pense que oui. Il est... On n'est pas sûr, mais bon, ça passe. Ah oui, ça passe. Qui es-tu, Alaska ? Le bras de fer. J'en avais d'autres. Pepper Tams. Enfin, il y en a quand même qui sont censés marquer. Il y en a un en particulier. Hunger Games. Merci. Nous les menteurs. Attends, comment c'est à compter ? Non, mais non, du coup, je suis sérieux. Et arrête de regarder la bibliothèque, regarde là. Regardons les gens. Regardons. Oui, mais je suis hors cadre déjà. Et si tu regardais la caméra, tu le saurais. Du coup, je me concentre pas pendant que tu dis des bêtises. 12 ? Non. Allez, Théo, dépêche-toi. 15 ! Théo a 1 point, moi j'ai 3 points, et Tom il a 4 points, je crois. Donc il a encore gagné. Non, ça fait 4 plus 3 plus 1, ça te fait 8. Donc, t'as on a qu'à dire que j'ai 2 points. Je crois que j'ai 5 points. On a qu'à dire que j'ai 2 points. J'ai 5, j'ai encore gagné. Merci beaucoup à Nathan d'avoir participé à notre vidéo. Donc il s'est plutôt bien débrouillé. Vous pouvez continuer à suivre notre chaîne YouTube, le cahier de lecture de Théo et Tom. Vous pouvez suivre aussi le blog de Nathan qui commence juste à peine, naître. Donc vous pouvez, il est plutôt bien. Voilà, vous pouvez essayer de suivre. Je crois que ça s'appelle Love Love Nathan Books, un truc comme ça. Tablier licorne. Ah, pardon. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis merci Nathan. À bientôt. Ça filme là ? Oui, ça filme. Ok. Bonjour, bienvenue. On recommence. 1, 2, 3. On a gagné 5 secondes. Donc, c'est le gagnant, donc le gagnant. Usurpation d'identité. Tintin. L'imbécile a surgi. Oh, on se partage tout entre jumeaux. On t'aime quand même. Ils vont kidnapper. Au revoir. Ils vont kidnapper. Au revoir. Au revoir, tranquille. Au revoir.